Ottawa annonce des mesures pour aider les locataires et ça fait déjà des flamèches avec Québec. Raymond, Justin Trudeau a fait savoir aujourd'hui que le prochain budget fédéral comprendra une charte des droits des locataires. Exactement. Trois mesures en tout qui ont été annoncées aujourd'hui par M. Trudeau. Vous allez les voir sur le tableau. D'abord, on parle d'un fonds de 15 millions de $ qui sera créé par le fédéral pour financer les organismes d'aide juridique qui aident les locataires aux prises avec des ennuis. Deuxième point, une charte des droits des locataires qui va notamment exiger des propriétaires qu'ils fournissent un historique clair des loyers d'un logement pour donner un pouvoir de négociation aux futurs locataires. Et troisièmement, Ottawa qui veut faire modifier la charte hypothécaire pour faire en sorte que la carte de crédit des locataires tienne compte des paiements de loyer effectués à temps. Autrement dit, vous payez votre loyer dans les délais prescrits, ça améliore votre carte de crédit, ça vous aide finalement à obtenir, dans bien des cas, une hypothèque pour une future propriété. On peut écouter Justin Trudeau qui, avec ses politiques, Sophie, vise clairement les jeunes électeurs qui, il faut le dire, selon les sondages, désertent de plus en plus le Parti libéral. J'ai parlé à trop de jeunes ces jours-ci pour qui l'avenir n'est pas aussi prometteur que ça a été pour les générations antérieures. Et aujourd'hui, on fait une annonce pour les locataires, où il y a énormément de jeunes qui payent des loyers, mais qui ne voient pas une piste vers l'achat d'une première propriété. Ouais, c'est un euphémisme de dire que le plan a été accueilli froidement par Québec. C'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez, le ministre Jean-François Roberge, qui cet après-midi à l'Assemblée nationale a dénoncé une intrusion d'Ottawa dans un des champs de compétences du Québec. C'est non. Il n'est pas question de tolérer ce nouvel envahissement des champs de compétences du Québec, de la part du gouvernement fédéral, qui veut arriver avec des nouvelles conditions, qui veut venir se mêler de nos affaires. Le logement, c'est de compétence du Québec. Alors, Justin Trudeau dit qu'il souhaite la collaboration des provinces, Sophie, pour mettre sur pied certaines de ces mesures annoncées aujourd'hui. On peut dire qu'avec Québec, c'est mal parti. Merci beaucoup, Raymond. Au revoir.